Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo. Je suis super excitée parce que là c'est clairement Noël avant l'heure. J'ai été le premier pigeon à craquer pour le Black Friday, le Cyber Monday, tout ça. Donc j'ai plutôt craqué mon slip. Du coup j'ai pas mal de choses à découvrir tout de suite et je vais découvrir en même temps que vous, donc ça va être cool, j'espère que ça va m'aller quand même. Mais avant toute chose, je vais vous parler de ma montre favorite. De toute façon, depuis que je suis sur YouTube, vous m'avez toujours vu avec cette montre au poignet tellement que je l'aime trop. Les montres Daniel Wellington. Donc voilà, vous savez que voilà, je suis tombée en amour sur ces montres. J'en ai plusieurs, c'est mes montres de tous les temps. Donc du coup, j'ai réussi à avoir un petit code promo pour vous. C'est le code LOUTIFOOL15 qui vous donne du coup 15% sur toute la boutique. Donc voilà, bientôt Noël, voilà, vous pouvez faire le rapprochement, tatata. N'hésitez pas à aller faire un tour et tout, il y a plein de styles de montres différents et genre la qualité c'est ouf. Vous pouvez retrouver tous les liens de toute façon en barre d'infos. Je vous laisse jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et le code est cumulable avec l'offre de Noël. Et du coup, on va passer à la vidéo tout de suite. Donc on va commencer par quoi? J'espère vraiment que ça va m'aller. Ah, Bershka. Ma première commande du Black Friday. D'ailleurs, je l'ai fait ensemble avec vous sur un vlog que je vous mettrai juste là. Ça m'épate les yeux rien qu'en ouvrant comme ça. Là, je vois des paillettes, des fleurs, des machins là. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, je me souviens. J'ai trop hâte de voir la combi parce que c'est vraiment pour ça que j'avais fait la commande. Donc déjà, j'avais pris un petit haut tout simple pour les fêtes à paillettes, mais genre ultra paillettes avec un décolleté dans le dos et là un petit nœud sur le devant. Il est super ado. Super mignon, c'est un body en fait. Oui, trop hâte d'essayer aussi, mais il a l'air vraiment super beau quoi. Oh, le dos nu comme ça, j'adore. De toute façon, je vais tout essayer, comme ça on verra ensemble si ça va ou pas. Franchement, grave contente. J'essaierai de vous mettre les liens des articles en barre d'infos si je retrouve tout, etc. et s'il y a tout disponible. Ensuite, j'ai commandé une jupe. Franchement, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'avais trop envie d'essayer. Et vu qu'elle était pas chère du tout, je me suis dit que c'était l'occasion. Elle est trop belle. C'est une jupe midi en tulle avec élastique comme ça. Et franchement, j'adore. Faut trop que j'essaie. Oh, j'ai trop hâte d'essayer. Franchement, j'aime trop. J'ai trop hâte d'essayer. Je vois trop comment la porter là. Ah, trop cool. Et ensuite, j'espère vraiment qu'elle va m'aller parce que vraiment, j'ai fait la commande pour ça. Du coup, si elle me va pas, franchement, je serai trop deg. C'est une combi comme ça à motif. Et aussi la taille, je sais pas trop parce que je varie entre du XS, du S, du 34, 36. Enfin voilà, genre ça dépend vraiment de comment c'est taillé parce qu'au niveau des fesses, des hanches et tout. Et au niveau de la taille, ça, des fois ça baille un petit peu à certains endroits, etc. Donc là, j'ai pris XS. J'espère vraiment que je vais rentrer dedans parce que sinon je pense que je pleure. Mais vraiment, oh, elle est magnifique. Il y a un décolleté sur le devant. Ouh, la taille, elle me fait peur. J'espère qu'elle est... Elle est toute abîmée, c'est une blague. Comment ça? Comment ça, il y a un trou dans la combi? Vous voyez là, mais il y a clairement un trou ici. Genre c'est décousu. Alors je vais voir si je peux rattraper... ça, mais je suis plutôt deg parce que... Mais bon, sinon elle est magnifique. Par contre, la taille a pas l'air d'être très extensible. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur, vraiment. Mais j'ai trop hâte de l'essayer en tout cas parce qu'elle est vraiment jolie. On va passer à quoi? Azos, parce que Azos c'est mes tenues de Noël et Nouvel An. C'est un petit peu genre le truc qu'il faut pas que ça loupe quoi. On va commencer par la robe pour Noël. J'ai commandé aussi des petites chaussures à paillettes dorées, genre vraiment trop enfantines et tout, mais trop mignonnes. Petites sandales à paillettes avec des petits talons carrés, mais je les ai pas encore reçues, du coup je vous mettrai une photo maintenant. Je vous le montrerai sûrement dans un vlog. Déjà la couleur de la robe me plaît vachement. C'est le cucu. Où est la tête-tête? Elle est vraiment trop belle. Par contre vraiment genre... Elle est lourde en plus, donc elle va super bien tomber. Genre... Elle est adorable comme robe, la couleur et tout, franchement j'aime trop pour Noël, ça va faire trop mignon. Ah, je suis fan en vrai, je suis trop contente. En plus elle m'a pas coûté cher du tout celle-ci. Ensuite
ensuite, ça c'est ma robe de nouvel an. Celle-là j'ai un peu peur parce qu'elle est un peu plus olé olé, enfin voilà quoi. Il y a un petit peu, j'ai pris un peu de risque sur la robe de nouvel an. Déjà la couleur me plaît de ouf, c'est un rouge mais un peu foncé et tout, j'adore. Ok, faut essayer, franchement faut essayer. En fait, il y a un super décolleté et enfin toute moulante et tout. Franchement elle peut rendre super trop bien par contre. La couleur et tout, faut que j'essaye. Mais je suis quand même super contente du truc. Elle a pas l'air transparente, c'est ça que j'avais peur parce que bon... Et franchement ça va. Et ensuite, Bouhou. Alors il y a, là il y a le Père Noël aussi qui s'est un peu fourré dans ma commande. Du coup faut que je trie parce qu'il n'y a pas tout pour moi du coup. Il y a plein de trucs. Ça c'est, qu'est-ce que c'est? C'est un body en fait qui est super échancré et je trouve ça magnifique. Donc franchement à essayer parce que là, attends mon cou, est-ce qu'il rentre là-dedans? Franchement à essayer parce que vu comme ça, il ne m'assure pas confiance. Mais après ça se trouve, ça va super bien donner. Mais déjà il est à peine transparent et ça c'est genre un peu problématique. Surtout qu'avec ça on ne met pas de soutien-gorge. A voir. Ensuite un collant parce qu'il n'y en a jamais assez, que je le trouve tout le temps et tout, donc j'en ai pris un opaque et un normalement moins opaque. Bon bah c'est un collant quoi, c'est sympa, c'est un collant. Alors les pattes elles me font peur par contre, ça ça a l'air super désagréable, après faut voir, mais genre les pattes elles me font vraiment peur. Ensuite j'ai pris une brassière tout en dentelle, oh là là mon dieu, ah c'est archi beau. C'est archi archi beau. J'adore ce genre de sous-vêtements. Moi je suis trop trop fan des beaux sous-vêtements. Et celui-là, j'aime trop. Ensuite. Ah oui, j'ai pris un petit t-shirt tout simple comme ça. Oula, dans quel sens se met-il? Ah, il est croisé dans le dos en fait. Et là, c'est un petit peu transparent sur le haut. Et ensuite, ça part un peu en évasé. Trop mignon le petit haut. Franchement, je suis contente. Il est trop mignon. Ah ouais, ça je suis trop... J'avais trop hâte de le recevoir. J'ai pas de sweat. Et genre les sweats c'est trop la vie. Donc j'en ai pris un. Un sweat rose pâle comme ça. Crop top. Oh man. Oh franchement trop beau. Trop chouette. Trop fan. J'aurais dû en prendre plusieurs. En plus j'ai hésité. Ensuite un autre collant. Celui-là ça doit être du coup celui qui est... Je sais pas, opaque ou moins opaque, j'en sais rien, mais j'ai pris un autre collant. Ah, celui-ci est moins opaque. Et ben voilà, ça c'est des pieds un peu normaux, ça fait moins peur que l'autre. Oh là là, ils me font peur aussi. Faut que je remette dedans, sinon je vais le filer. Les prix... Alors, il y a rien qui dépasse de 5 euros. Dans tout ce que j'ai pris, il y a rien qui dépasse les 5 euros. C'est ouf, hein. Et ensuite, ah ouais, c'est un petit haut tout simple comme ça. Il est crop top et il est décolleté là. Et là, il y a un collier, enfin, vous savez, radio. Trop contente, franchement, il y a tout qui est cool. Et même le Père Noël a choisi des jolies choses aussi. Je suis très contente aussi pour lui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis archi archi contente. Là je me suis fait vraiment plaisir et ça fait du bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.